on est à plus de 500 millions de frais de fonctionnement, alors qu'on n'est qu'à 200 millions pour l'investissement. Vous voyez que ça, ce n'est pas un budget acceptable pour un département et une région qui a besoin d'investissement dans notre économie. Mais le président dit que ça a doublé en 2 ans, 3 ans. C'est aussi visible. Oui, mais si on est passé dans une légère augmentation du budget d'investissement et le fonctionnement est passé comment? Voilà le problème. C'est le fonctionnement qui augmente beaucoup plus vite que le budget d'investissement. Et j'ai dit dans mon intervention qu'il fallait inverser cette tendance, avoir plus d'investissement et moins de fonctionnement. Les Mahorais veulent un développement, pas financer la belle vie du conseil départemental.